Little Mike, ingénieur du son. Ingénieur du son, j'ai envie de te dire un peu par la force des choses, mais... Je parlerai de ma rencontre avec Jacob Desvarieux. On devait enregistrer le titre avec Marshall Montano, qui lui a fait ses prises à New York. Et tu vois, Jacob Desvarieux en face de toi, 40 ans de carrière, surpris de découvrir un mec très, très humble. Je dirais que je suis perfectionniste, je suis trop sur le petit détail, je cherche à tout le temps reprendre les artistes. Non, on rentre comme ça, non, on va... Alors, trop minutieux, trop perfectionniste. La patience. Voilà, la patience, l'humilité, la patience. Voilà. La musique, je me vois faire que ça. J'aime pas les gens pas carrés, les gens malhonnêtes, voilà. J'aime pas les personnes toxiques, je les aime pas. Alors, mon regret, ça serait de ne pas avoir tenté de partir me former un peu dans une grande métropole comme Londres ou sur Montréal au Canada, puisque j'aime beaucoup leur approche de la musique, leur approche du son, déjà, franchement, et voilà, ça serait ça mon plus grand regret. Je ferai appel à un manager, en fait, quelqu'un à côté de moi. Il me faudrait un deuxième mois, parce que j'ai trop de boulot. L'afrobeat, l'afromusique. Je me suis lancé dans la dancehall, donc je retrouve un peu ces flows dans l'afrobeat. Et ouais, c'est ce que je kiffe le plus. En travaillant sur le projet de Drexy, ils ont fait appel à moi pour les mix et j'ai dû faire la relation aussi avec l'ingénieur mastering en métropole. Ça serait déjà de faire ce que beaucoup qui étaient là avant moi n'ont pas voulu faire pour moi, c'est-à-dire tendre la main à ceux qui arrivent, à ceux qui veulent rentrer dans la musique. Moi, je rêve plus, hein. J'ai pas de rêve. Hein. Franchement, je rêve plus. Hein. Je suis un bosseur, c'est tout. Hein. Faut travailler pour avoir ce que tu veux, pour atteindre le niveau que tu veux. Je suis pas en train de rêver à me dire ah, non, je bosse. Croyez en vous, ne lâchez jamais. Tout est possible. Tu peux être dans ta chambre à Pointe-à-Pitre, faire tes petits freestyles et arriver rapidement comme un artiste comme Kalash sur une scène internationale. Je sais pas, je vais casser ça, je vais parler d'un dicton que j'aime pas entendre. C'est ça qui l'a de barre, l'eau pas cachaillée. Ce dicton-là, je l'aime pas trop. Parce que si tu te donnes pas de taf, si tu vas pas chercher le truc qui est censé être là pour toi, ben, il viendra pas à toi. Donc fonce, va le chercher.